Après avoir passé 10 mois, 18 jours comme préfet de Kissidougou, le lieutenant-colonel Mohamed Lamine Camara a passé la main à son successeur, le colonel Charles Colipier Lama. À cette occasion solennelle, le désormais ex-préfet a profité de sa prise de parole pour remercier ses anciens collaborateurs et la population pour leur accompagnement dans l'exercice de ses fonctions. Les fonctions de préfet de Kissidougou ont été attribuées à ma seule personne. Mais je voudrais vous éclairer, l'exécution de cette fonction n'a été possible que par le concours de mes collaborateurs proches, qu'ils sont tous remerciés. De son côté, le colonel Charles Colipier Lama, préfet entrant, a remercié le président de la transition pour le soin porté sur sa personne et s'engage d'honorer la confiance placée en sa personne. Je mesure à juste valeur l'importance de cette noble et exaltante mission. Je puisse vous rassurer ici que mon engagement et ma détermination seront à la hauteur de la confiance placée en moi. Président, cette cérémonie de passation, Siba Zogotamou, chef du cabinet du gouvernorat de Farana, a tout d'abord remercié le sortant pour les actes et invité le nouvel entrant à pérenniser ses acquis. Monsieur le gouverneur m'a chargé particulièrement de remercier l'ensemble des citoyens de Kissidougou pour avoir accompagné le colonel Mohamed Lamine Camara dans toutes les œuvres qu'il a eu à poser ici en faveur du développement local. À monsieur le préfet entrant, de mettre en œuvre l'ensemble des expériences acquises à ce niveau pour pouvoir les mettre à la disposition des citoyens de Kissidougou dans le cadre du développement. C'est par la remise des symboles de l'État au nouveau préfet que la cérémonie de passation a pris fin.